Aujourd'hui, on est lundi 21 août à l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, ça va être le début de la troisième ronde dans quelques minutes. Je m'appelle Cécile Andro, j'ai 9 ans et demi, je vais avoir 10 ans en octobre. Et en ce moment, je joue à l'Open D de l'Alpe d'Huez à table numéro 8. Moi, je m'appelle Gabriel Flamme, je suis son entraîneur. Je joue aux échecs, la même chose, la passion des échecs depuis l'âge de 4 ans et demi. Et je joue aux échecs, c'est ma profession. J'enseigne énormément et je joue. Je suis de Paris, club de Tremblay. Ça se passe très bien. Pour l'instant, je suis très content de mon tournoi. Et maintenant, je suis sûr que ça va continuer. Il n'y a plus qu'à espérer. Ouais, je pense que ça va bien se passer sur le tournoi. Aujourd'hui, on a fait une bonne préparation. On a regardé ce qui est aux échecs. On peut savoir ce que jouent nos adversaires. Se préparer en fonction, bon, de temps en temps, c'est dur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties. Je trouve ça s'appelle une base qui s'appelle Chess Base. Il n'y a pas beaucoup de parties. Mais OK, on essaye de se préparer avec... En fait, la préparation qu'on a fait avant, eh ben, généralement, c'est ce qui va se passer dans ces parties. Alpe d'Huez, très bel endroit, le décor il est sympathique. Ma mère était là pour le tournoi parce que j'ai joué juste avant le tournoi. Et je sais que l'endroit, bon, il est juste magnifique. Le décor, il est royal. Par rapport à ça, c'est vraiment magnifique. Très bien, c'est très beau. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, la salle est vraiment très bien. Moi, mardi, je m'en vais. Mais en tout cas, je le suivrai et je l'aiderai via Internet. Je suis professionnel, donc je voyage beaucoup et je suis déjà venu dans la région pour les tournois. Moi, je suis jamais venu ici de mes souvenirs. Et maintenant, il va faire beaucoup, beaucoup d'endroits et j'espère aussi les championnats du monde. Ouais, c'est mon objectif. Bon courage. Eh bien, bonne partie à tous. Les noirs avancent à la bande. Bonjour, je m'appelle Manon Chevillon, j'ai 14 ans, je fais des échecs depuis l'âge de 6 ans. J'ai déjà été championne de France en 2019 à hier. Aujourd'hui, j'ai joué sur la table 1 contre un adversaire qui avait 1430. Mon adversaire a très bien joué, même jusqu'au milieu de jeu, mais malheureusement, il a fait une petite erreur à la fin et qui a fait que j'ai pu rattraper mon retard. Mon objectif, c'est de gagner l'Open Day à l'Alpe d'Huez et aussi d'être l'année prochaine à nouveau championne de France jeune dans ma catégorie. Le partage du quart de finale des championnats de France, il est là, vous pouvez commencer la partie. Bonsoir, Anthony Viric, grand maître international, et moi Rémi Trouville, joueur amateur, on va dire. On est en charge des commentaires, voilà, c'est ça, pour tout le championnat, dans un partenariat avec la Fédération Française des Échecs. On anime les retransmissions du national féminin et du national mixte pour tous les gens qui ne peuvent pas venir à l'Alpe d'Huez. Comme ça, ils peuvent vivre un petit peu les matchs avec des super commentaires de grands maîtres. J'espère. Anthony, il y a eu Emmanuel Bricard, il va y avoir d'autres grands maîtres qui vont se succéder aux commentaires. Et nous, on est de la plateforme Apprendre les échecs en 24 heures. On fait des packs de vidéos avec des grands maîtres, alors souvent des champions de France, des grands maîtres qui mettent de manière assez pédagogique leur savoir en vidéo pour que les joueurs amateurs puissent progresser jusqu'à, on va dire, 2000, 2100 elo sur les ouvertures, les structures de pions, les finales, le jeu positionnel, la tactique, voilà. Et on est à la tête d'une communauté qui maintenant compte quand même déjà 55 000 membres. Et on a d'ailleurs un stand à l'entrée avec, on a fait des promotions spécifiques pour le championnat de France avec des tout petits prix parce qu'on essaie de démocratiser justement cet apprentissage.
Et donc vous avez la possibilité de vous offrir 3 packs de grands maîtres internationaux pour 20€. Et c'est 4 packs de à peu près 4 heures à chaque fois, 3-4 heures de super connaissances avec Christian Bauer, avec Laurent Fraissinet, avec Kevin Thérieux, avec Anthony, avec Tigran Garamian, avec des super forts joueurs qui sur un thème spécifique vont vous aider à progresser dans votre jeu. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le stand, voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs ça va démarrer. Ouais. Alors ce sont les départages pour savoir qui va se qualifier en demi-finale. On a eu du 15 plus 10, là il y a encore 2 matchs qui sont à égalité, donc il va y avoir des blitz en 5 minutes plus 3 secondes et ça va reprendre dans vraiment quelques instants. Lys Amarguédon, quart de finale du championnat de France, vous pouvez commencer la partie. Spécialité des cases noires, hein. Il échange le fou de, en fait, il faudrait de case blanche contre le cavalier, il joue pour cette case. Donc Romain Edouard F7, ouais. Donc Romain Edouard qualifié pour les demi-finales et Yannick Gozoli qualifié pour les demi-finales. On a notre tableau pour mercredi, bravo à ces joueurs, ils sont allés au bout de leur soirée. Bonsoir, je m'appelle Romain Edouard, je suis grand maître international et je participe au championnat de France ici à Alpes d'Huez et je viens de me qualifier pour les demi-finales après un match dantesque. C'était très bizarre comme match, les deux parties, les deux premières étaient deux nulles et ensuite ça a été 5 gains blancs au départage. La première du match j'aurais dû la gagner de plein de façons et j'ai raté. Et j'avais vraiment le moral à zéro, du coup, après la fin de la première journée. J'ai la chance d'avoir des très bons amis qui m'ont vraiment qui m'ont remonté le moral. Et ils ont dû y aller fort parce que j'avais vraiment le moral à zéro. Et aujourd'hui, la lente, j'aurais dû perdre parce que j'ai très mal joué et lui très bien. Et c'est moi qui l'ai retourné. Et après les départages, c'était à chaque fois, je gagne la première, la deuxième, je prends une tactique. Et à la fin, c'était les pièces. On donnait des pièces, c'était n'importe quoi, c'était bilou face, mais ok. On a joué 8h, genre on a 8h30 aujourd'hui en tout, du coup, à la fin on voyait pas un coup. Je sais pas si la qualif est méritée, mais la journée de repos est méritée, ça c'est sûr. Bonne soirée.